mais qui est en Suisse romande depuis plusieurs années. Attention, but de minute. L'ouverture à la marque signée Hubert. Ouais. C'est pas le joueur le plus connu d'Olten. Il a bien senti le truc, il a vu que le gardien était décalé à la droite de la cage. Il a fait le wrap-around, comme on appelle en anglais. Et est revenu, l'a battu côté opposé. Il est droitier, étendu les bras. Bon feeling offensif. C'est la part du numéro 10. Qui devient le premier joueur à marquer dans la Swiss League. Ouais. But historique. Peut-être, peut-être. N'exagérons en rien. Peut-être. Regardez le gardien. Hop, le gardien, il va pas. Ah, il a fait le mauvais choix. Hein, ouais, mais... il est allé sur le poteau gauche au lieu d'aller sur le poteau droit. Faut dire que le gardien a donné un crédit. Dire que Langenthal terminera et commencera surtout le troisième tiers en supériorité numérique. Ouf. Un dégagement de Grida directement sur l'arbitre. Quelle maladresse. Un homme au deuxième poteau qui va égaliser à exactement une seconde 6 de la sirène. But de Kelly. Ouais. Mauvais dégagement Grida qui avait le total contrôle de la rondelle. A raté son dégagement, a touché l'arbitre. Grida qui a quelques mots pour l'arbitre, mais écoute, il fait partie du jeu, cher monsieur Grida, et vous avez laissé toute la bande. Et regardez sur la reprise, Campbell directement vers Kelly. Et les étrangers s'inscrivent au pointage. Channon obtiendra aussi une mention d'assistance. Et Bagnou s'était couché, il a freiné le puck, ouais, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, juste un petit peu en retard, mais bon, geste. Danse peut-être. Oui, oui. Oh, oui. Mais derrière, Oronski, là, un peu de match. À 10 minutes de la fin, Oronski a un peu de réussite. Hein. On a vu le centre contré. Beaucoup de chance, le centre a été contré à moitié. Déviation parfaite et il s'est retrouvé seul devant la cage. Le gardien a été aussi surpris dans son déplacement. Belle feinte quand même. Stanislav Oronski, le Slovaque à licence helvétique. Lui qui a fait ses classes juniors à Vienne, qui a été champion de Ligue B avec Ajoie, qui a tenté sa chance la saison passée à Vienne sans succès en Ligue 1. Et là, il a montré qu'il avait le bon geste. Un bon geste défensif sur le back-checking, mais qui a déjoué son propre défenseur finalement. Oronski aura le... qui file. Philippe Ritz, un peu touché par Vis, il a un angle fermé, il choisit de donner à Hubert, qui sera l'homme du match avec De Gaulle. Ouais. Un puck qui n'a pas été maîtrisé par Philippe Ritz, un puck sautillant, il faut le dire. Remis en cloche un peu au milieu, Ritz a été un peu déjoué par un bon capricieux. Il s'est été mis sous pression. Et ses coéquipiers ont mis du temps à revenir dans la zone, il faut le dire, et on était fatigués. Hein. On avait donné beaucoup en zone d'attaque. C'est ça. Et Hubert assoit le succès des Sauverois dans ce match inaugural de la Swiss League. Il n'y avait pas de faute quand même de Vis. Hein. Non, on ne pouvait pas signaler une irrégularité. C'est Ritz qui a essayé de protéger sa rondelle. Il s'est accroupi un petit peu. Le joueur